Chez moi les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, thématique très épineuse et très houleuse. En vrai, ça veut dire quoi houleux? Tu sais, dis-moi en commentaire, parce que quand je dis ce mot, moi dans ma tête, je vois une huître et je sais pas si je suis normale ou pas. En tout cas, je suis sûre que dans votre vie, vous aussi, vous avez subi des dramas avec votre famille, vos potes. Dites-moi vos pires dramas en commentaire et peut-être si on a des sympas à raconter, je les partagerai dans une prochaine vidéo ou je les referai sur Brookhaven ou Newhaven. Perso, j'en ai eu plusieurs, j'en ai même eu pas mal. Je pense qu'à partir du moment où on commence à faire quelque chose de type YouTube, Instagram, etc. et qu'on commence à voir des personnes qui nous suivent, et ça, vous pouvez pas l'éviter les gars. Donc dans cette vidéo, on va aborder l'une des pires, mais c'est pas la pire, hein, parce que attention, il y en a, il y a eu des pépites. Mais bon, aujourd'hui, on va raconter celle-ci. Alors ceux qui me suivent depuis le début, petit ref, ah, en plus j'ai le nez bouché là, donc je parle du nez et tout ça, donc c'est encore pire quand je le fais. Enfin bon, c'est parti pour la story time. J'ai fait un truc à la Bilal Hassani, mais je suis pas sûre. Je précise que ça date de 2017, donc il y a moyen que j'oublie certains éléments ou que je sois pas hyper précise dans mon récit, mais le plus gros y est. C'est l'époque où je streamais sur Twitch, c'était 200-300 viewers sur Overwatch, et je me suis dit j'ai envie de jouer aux Sims. Mais je savais que la commune de Twitch, je le savais, n'apprécierait pas. Pourquoi me direz-vous? Peut-être parce qu'il y en a certains qui me disaient que j'ai percé, car j'ai mon décolleté, alors je streamais en col roulé ou bien souvent en pull. Bon, des fois ça m'arrivait aussi des cosplays, c'est pour ça, je sais pas. En tout cas, le jour où on m'a dit ça, ouais, t'as percé parce que j'ai monté boobs, j'étais en col roulé, hein, véridique, j'étais en col roulé sur mon stream, j'étais là, ah, bon, ok, d'accord. Enfin bref, je suppose que la moitié des gens qui me suivaient sur Twitch, c'était pour m'insulter ou pour. Et l'autre partie qui venait regarder un FPS et pas forcément pour moi, pour ma personnalité, et pas une quinzaine, voilà, qui s'amuse à créer un voisin tueur dans les Sims. Enfin, si, il y avait quand même une petite, un petit noyau de communauté qui me suivait pour moi, qui est venu, enfin il y avait 2-3 personnes qui sont venues sur YouTube parce que je les connaissais et je leur en ai parlé, vous allez comprendre très vite. Donc ouais, non, en plus c'est vrai que j'ai commencé vraiment ma partie de Sims en stream en criant un voisin qui tuait ses voisins, enfin un voisin, un voisin tueur dans les Sims quoi. Je me suis dit, je vais aller faire des lives sur YouTube, genre je repars à zéro et je ne sais pas par quel miracle ça fonctionne, ça marche. Des gens qui viennent sur mes lives sur YouTube alors que j'étais personne sur YouTube. Mais ça décolle encore plus quand je lance le concept de la maison des abonnés. Alors ça, les gens qui font la maison des abonnés sur les Sims, c'est ça qui a fait décoller ma chaîne. Non, ma chaîne n'a pas percé grâce à Movistar Planète, pardon. Vous rêvez pas, mais même si par la suite, ça a grandement propulsé la chaîne vers le haut, on en est là. Petite quinzaine sur YouTube, lance sa petite chaîne, fait des lives tous les jours pendant les vacances d'été. Ça marche hyper bien, je me fais des contacts, je parle avec d'autres YouTubeurs, enfin, des petits YouTubeurs, pas des Squeezie ou des Cypriens, quoi. En allant sur leur live aux YouTubeurs, je leur parle en direct, sur leur chat, etc. Je recrute des modérateurs, tout se passe bien. Il y avait une autre youtubeuse Sims qui faisait quasi que des live Sims, je parle pas de Devovo. À peu près même contenu que moi. C'était la période où je me lançais aussi sur Movistar Planète et je pense qu'elle avait senti que ça marchait plutôt bien. Ouais. Ah là, je peux renifler en plus plein de morve. Et c'était. Elle aussi, elle s'était lancée dessus et tout. On va appeler cette youtubeuse Ginette. Même si aujourd'hui, elle n'est plus sur YouTube, je respecte un minimum, même si elle m'a chié littéralement à la gueule une bonne grosse merde bien coulante et bien puante. Je vais être 100% honnête avec vous dans cette vidéo, prenez en compte que je suis humaine et également loin d'être parfaite. S'il vous plaît, ne vous désabonnez pas, pensez à mes filles. Ah, c'est bon, je rigole, hein. Alors, on se remet dedans, 2017, je commence à percer à ma petite échelle. Au début, je hoste des chaînes. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est hoster une chaîne, en gros, à la fin de mes lives, j'envoie mes viewers, mes spectateurs, sur un autre live pour donner de la visibilité à un autre youtubeur ou faire connaître un autre youtubeur à ma communauté. Donc, en moyenne, on était déjà à ce moment-là entre 100 et 200 personnes sur mes lives, ce qui est vraiment énorme. Hein, c'est qu'aujourd'hui, je fais la même chose, 5 ans plus tard. Et
Donc là, j'envoie ma commu chez Ginette, parce qu'elle fait le même contenu que moi, elle fait du Sims. Et moi, j'étais pas dans l'optique de rivalité avec les autres personnes qui font le même contenu que moi, comme il peut arriver encore aujourd'hui que des gens se battent entre eux parce qu'ils font le même contenu. Non, moi, absolument pas. Au contraire, le partage, tout ça, voilà. Alors elle, à ce moment-là, elle devait être à quoi, maximum une dizaine de viewers. Donc en gros, elle devait tourner entre 8 et 10 viewers, je crois, à ce moment-là. S'il y a des gens qui se rappellent, dites-moi. Mais bon, en tout cas, au fur et à mesure, je regarde ses lives, forcément, parce que, bon, je me dis, elle fait la même chose que moi, donc je regarde un petit peu à côté, pendant que je fais un montage ou quoi, je mettais son live à côté. Et très rapidement, bah, j'arrête de la host, j'arrête de partager son live à la fin du mien, parce qu'il y a des comportements qu'elle a avec des viewers qui me plaisent pas trop. Genre, assez méchant. Exemple tout con que j'invente là, mais pour que vous compreniez de quoi je parle, un viewer par exemple qui lui demande simplement, je sais pas, moi genre, elle a mis la table dans cette pièce sur les Sims, elle va lui répondre sèchement, mais t'avais qu'à suivre, hein, j'ai cliqué il y a 2 minutes, hein. Genre vraiment assez méchant, un peu hautain. Et bah, je voulais pas envoyer ma commu au casse-pipe, hein. Tout simplement, je continue à lui parler sur Discord en message privé, il y avait pas de problème, hein, c'est juste que... je lui envoyais, enfin je partageais plus sa chaîne en host, hein, je partageais d'autres chaînes. D'ailleurs dont une aussi également, voilà, mais ça c'est encore une autre histoire. Donc je voulais être sympa. Donc j'ai continué à lui parler, y a pas de problème, enfin je veux dire j'ai aucun problème avec elle. Je lui parle, elle me parle normalement, donc y a pas de soucis. Voilà. Donc à ce moment-là, on a un modérateur en commun, donc gardez bien ça à l'esprit, qu'on va appeler Gérard. Ginette et Gérard. Donc Gérard, il partage le même avis que moi, d'autant plus qu'il me racontait toutes les fois où Ginette se comportait mal avec lui, en lui parlant méchamment. Je n'avais pas de mal à le croire parce que je le voyais un peu en direct. Et un jour, bah, je suis en live et Mrs. Ginette apparaît dans le chat. Moi, petite goutte de sueur sur le front. Non, je déconne, c'est pas vrai. Je l'accueille comme tout le monde, hein, bonjour, ça va, tout ça. Puis, elle commence à glisser des bails type, ouais, si t'as besoin de modérateur, je suis là, clin d'œil, clin d'œil. Autant tout à l'heure, je déconnais, hein, pour la goutte de sueur, autant là, j'avais vraiment une cascade sous les aisselles, hein, j'étais pas bien. Je prends le peu de courage que j'ai en main et je lui dis, ouais, c'est gentil, mais t'inquiète, j'ai pas besoin de modérateur, là, on est bien, j'ai tout ce qu'il faut, et puis bah, oh, t'as sûrement pas le temps de modérer, t'es super active sur ta chaîne, tout ça, hein. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, j'étais 100% honnête avec vous, autant là, j'étais pas honnête avec elle, hein, parce que bah, je voulais pas dire en live, bah écoute, j'aime pas trop comment tu te comportes, donc je préfère pas que tu sois modératrice sur, sur ma chaîne. Donc voilà, j'ai sorti la sauce, sauce samouraï, et là elle insiste pas, bah, je pense qu'elle a compris et que, bah, voilà, que je voulais pas la mettre en modératrice, et ça a dû la blesser dans son ego parce que depuis ce moment-là, bah, j'ai remarqué une petite différence, elle m'a moins parlé, même si on avait quand même une relation cordiale et normale. Et puis un jour, il y a Gérard qui pop en vocal sur Discord, je précise, on était souvent en vocal avec les modos, notamment aussi avec Gérard à cette époque. Et il me raconte une énième fois comment Ginette venait de mal lui parler et que lui, il fallait pas le prendre pour un con, etc. Et là, il rigole. Donc, il rigole avec lui, hein. Il nous dit qu'il va delete, donc supprimer le Discord de Ginette. Alors, j'avoue, hein, j'ai rigolé, hein. Et vous, là, me faites pas genre, là, les moralisateurs, hein. Je suis sûre que vous aussi, il y en a qui rigolent derrière leur écran, hein. Je pensais pas qu'il allait vraiment le faire, hein. Honnêtement, je vous le dis, hein, je rappelle, Gérard, c'est l'un des modérateurs, mais l'un de mes modérateurs, pardon, mais aussi un modo de Ginette. Et là, il nous sort en vocal, c'est bon, je l'ai supprimé. Le mec au KLM, il nous sort une bombe. Là, bah là aussi, là, je vous avoue, j'ai rigolé parce que bon, je sais pas si c'était nerveux ou je rigolais vraiment, mais en tout cas, j'ai rigolé. Je vous avoue, ah, je suis une mauvaise personne, j'ai rigolé. Mais bon, ça restait quand même moins cool. Honnêtement, avec ce qui s'est passé ensuite, j'en rigole encore aujourd'hui. C'est qu'il y a une raison. Il me semble que c'est le lendemain. Je suis tranquille, sur l'ordi, telle la geek que je suis. Je me suis pas lavée depuis 2 semaines. Non, je rigole, ça faisait qu'une semaine. Je m'étais pas lavée, hein, quand même, hein. Je suis sur ma chaise gaming. Je mange des chips en regardant Game of Thrones. Quoique, je sais même pas si ça existait déjà Game of Thrones en 2017. Non, je crois que ça n'existait pas encore en 2007, je sais pas. En tout cas, voilà, je me fais spam. Mais genre, spam comme Jaja sur Discord. Spam. Mais spam. Oui, à ce moment-là, j'avais mon Discord ouvert. Hein. N'importe quelle personne pouvait m'envoyer un message sur Discord.
c'était open bar, et là je vois en général quand je reçois beaucoup de messages comme ça, c'est qu'il y a un problème. Encore une fois, goutte de sueur sur le front, je me dis, ah merde, on m'a piraté ma chaîne YouTube, il y a une de mes vidéos qui a bad buzzé, qu'est-ce qui se passe? Et là, je regarde, bah du coup, j'ouvre mes messages et on me dit, en gros, Quinzel, tu te fais détruire, il y a une youtubeuse qui t'insulte en live, va voir. Ok, je clique sur le live et à ma grande surprise, c'est Squeezie qui... Non, c'est pas vrai, c'est pas Squeezie. C'est Ginette qui m'insulte et elle est énervée, mais genre de ouf, genre vraiment, c'est un démon, un démon gorgon. J'ai enregistré une partie du live. Mais vas-y, flemme de réécouter, hein. Je l'ai même pas réécouté pour faire la vidéo. Voilà, je précise que j'ai en fait sur mon ordinateur un dossier qui s'appelle dossier et qui regroupe tous les trucs qui s'est passé avec d'autres youtubeurs. Entre guillemets, si un jour il y en a un qui décide de faire une vidéo sur moi sans aucune raison ou quoi que ce soit, ou juste pour faire un buzz autour de ça, bah j'ai des dossiers sur certains youtubeurs qui m'ont cherché des noises à cette époque-là. Et donc j'ai toujours le fichier de Ginette qui m'insulte. Peut-être qu'un jour je le ferai, on verra bien. Mais en tout cas, je vais être bref sur ce qui a été dit. Je précise, j'étais sur son live, mais je ne commentais absolument pas sur le chat. J'ai laissé faire sa déferlante de haine. En gros, elle m'insultait de tous les noms en disant que j'avais supprimé son Discord, et notamment une petite trêve qui est restée entre intimes, je précise. On s'est sorti pendant un long moment, c'est ce qu'elle a dit, hein, que je suis une blonde qui fait du sport. C'était la période où effectivement j'étais BG, hein, franchement, gainée de ouf. J'avais pas encore pris le poids de confinement. Je faisais du sport tous les jours et j'en faisais des stories sur Insta. J'étais même pas au courant qu'elle me regardait dessus. Enfin bref, je ne sais pas pourquoi ça lui est sorti comme ça. Mais c'était pas mal, hein. Pas mal ce qu'elle a dit. Donc dans le chat de son live, à ma grande surprise, Ginette se faisait allumer par les viewers. Les viewers me défendaient et en même temps, quand on y pense, trois quarts de ses nouveaux abonnés, c'était des personnes qui l'avaient découverte à cause de moi. Je dis bien à cause et pas grâce, parce que je regrette, hein, tout simplement, que ces personnes ont connu Ginette et d'avoir mis cette personne en avant alors que tellement d'autres l'auraient mérité bien plus qu'elle. Vous devez me trouver dur. Sachez, en dehors du fait qu'elle est régulièrement méchante avec ses viewers, il y a d'autres choses qui me dérangeaient. Donc pour ceux qui vont réussir à arriver jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez quelques petits trucs en plus. Ceux qui ont été là à cette époque, ils sont au courant et ça devait être juste la partie visible de l'iceberg. J'ai décidé de ne pas en parler en vidéo. J'ai peut-être dû y faire référence en live juste après, car forcément les viewers me demandaient ce qui s'était passé. J'ai juste précisé que je n'étais pas modératrice ni sur son YouTube ni sur son Discord, que par ce fait il m'était impossible de supprimer son Discord. Je crois que j'étais même pas sur son Discord en tant que membre. C'est ça le pire, c'est qu'en gros j'avais pas du tout accès, c'était impossible pour moi de supprimer son Discord. Maintenant, soyons honnêtes, elle sait très bien qui a supprimé son Discord. La seule chose mauvaise que j'ai fait, c'est d'avoir rigolé quand Gérard nous l'a dit. Donc on était tous entre motos, Gérard l'a dit, on a rigolé. C'est un peu comme quand vous rigolez, quand votre pote il tombe par terre, c'est drôle, même si c'est pas cool, hein. Mais ça vous fait rire sur le coup, et puis après vous dites, ouais non, c'est pas cool, hein. Mais vous avez rigolé quand même, hein. Moi ça a été un peu le cas. La seule personne à qui elle aurait dû en vouloir, c'est à lui. Bon, elle, c'était pas mon amie... Je lui devais rien, ça me fait un petit peu chier pour son Discord, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est comme quand quelqu'un y tombe, c'est pas bien de rigoler, mais vous en rigolez. Enfin, moi je fais partie de ces personnes qui rigolent, je suis mauvaise, d'accord? Mon hypothèse par rapport à tout ça, c'est juste qu'elle a pris le seum, elle devait avoir une rancune envers moi, elle s'attendait que j'en parle, et donc que ça lui fasse de la pub, et comme elle s'est dit que Gérard était un modérateur qu'on avait en commun, que peut-être je lui avais dit de le supprimer, je ne sais pas, hein, peut-être, hein, je sais, elle a pensé ça. Même si je vois pas pourquoi j'aurais fait ça. Donc comme je disais, je pense qu'elle s'attendait à ce que je parle de cette affaire et que ça lui apporte peut-être des viewers, ça lui fasse de la pub. Car je vous avoue, elle a jamais eu autant de viewers sur son live qu'à ce moment où elle m'avait insulté. À cette époque, je ne voulais pas en faire une vidéo, d'ailleurs... Je ne répondais à aucun youtubeur qui faisait une vidéo drama sur moi ou un live drama, justement pour éviter de leur donner de la lumière et la possibilité de continuer à s'acharner sur moi en rebondissant une nouvelle fois sur ma réponse.
voulais partager que du positif comme contenu. Même si par la suite, hein, ma ligne de conduite a un petit peu changé et qu'il y a eu d'autres dramas auxquels j'ai répondu, mais c'était bien plus tard, notamment celui de Poupini ou de Frenchiska, donc ça va être même 3 ans plus tard. Car j'ai pris leur défense, d'ailleurs ça me fait penser à moi, dont ces deux dramas, elles se faisaient injustement lyncher pour des choses qu'elles n'avaient pas fait. Juste car les youtubeurs qui avaient fait ça, ils voulaient juste faire des vidéos buzz. Pour en revenir à mon histoire, j'ai laissé Ginette nager dans son seum et elle a coulé toute seule car à force de m'insulter, elle s'est mangée un revers de bâton monumental, je n'ai absolument rien fait. Elle a juste après arrêté YouTube, je pense qu'elle n'a pas assumé sa connerie. Pour ceux qui sont restés jusque là, une grosse ref hein, qui est restée, je vous ai dit en début de vidéo, ça vient de là. D'ailleurs, petite pépite, suite à une vidéo Sims que vous pouvez toujours retrouver sur ma chaîne où je crée un Sim affreux qui s'appelle toute ressemblance avec une certaine personne n'est que coïncidence fortuite. Mais du coup je ne comprends pas, elle m'a envoyé ce mail. Bonjour à toi par politesse, si ça t'amuse de faire des vidéos à mon sujet, continue. Mais je veux juste te dire que Ginette vient du prénom de mes enfants, et c'est pas à moi que tu fais du mal, mais à mes enfants, si t'amuses de faire ça, tu es vraiment pathétique et doublée d'une gamine, tout ça, pour une pauvre histoire que tu as commencée. Mais c'est pas grave, je vais donc porter plainte, j'ai plein de monde derrière moi. Qui signe à tes vidéos, faudra pas venir pleurer si tu perds une seconde fois ta chaîne. Tu ne me fais pas peur, allez, sur ce, et au moins, les couilles de répondre. Tu as pas eu assez que je supprime ma chaîne Ginette? Eh oui. J'ai eu les couilles de la supprimer malgré que j'ai perdu 15 000 abonnés. Ce doit à quoi j'ai répondu, juste pour rebondir sur son message, la vidéo Arlililil, c'est un troll par rapport à la référence Arlililil. Et je suis pas une des personnes qui insulte, etc, etc. Par exemple, par contre, les trolls, le second degré, moi je kiffe. Et je fais partie de cette personne-là qui ont du répondant, mais en trollant ou en rigolant, en faisant du second degré. Que en insultant, et c'était un petit peu mon moyen de transformer quelque chose de vraiment négatif comme ça en quelque chose de drôle. D'ailleurs, c'était une belle ref à l'époque. Et ce dont à quoi je lui ai répondu, parce que elle me disait perdre 15 000 abonnés, et donc je lui ai donné les statistiques de sa chaîne, donc Ginette. Donc sur le screen, on voit qu'elle a upload 252 vidéos, qu'elle avait 1381 abonnés et 35 466 vues. Donc on est loin des 15 000 abonnés, on est même très très loin, c'est lunaire. Je ne sais pas d'où elle sort son 15 000, je sais pas. Mais ça en dit long sur sa personnalité de mentir comme ça. Bref, je vais répondre. Coucou, on se connaît. La seule personne que j'ai vaguement entendu parler avait 1381 et pas 15 000, comme tu peux le constater sur ce screen. Je ne connais pas donc de youtubeuse Ginette avec 15 000 abonnés. PS, pour information, anatomiquement, je possède quelque chose qui s'appelle des ovaires. Bonne journée. Et sa réponse, elle m'a fait quand même un petit peu rire parce qu'elle me sort un « Salut, on se connaît, lol ». J'aime bien le « lol ». Je suis Ginette. Continue à publier tes vidéos, je vais porter plein de bandes à gouverne. Et t'inquiète pas, plein de monde est prévenu à ton sujet. Tu devrais aller te faire interner dans un asile, faire du mal à autrui comme ça, c'est pas sympathique du tout. Mais reste une gamine pour monter tes abonnés. Salut. Alors ça me fait un petit peu rire quand même le contraste entre... c'est moi la gamine et que c'est moi qui fais du mal alors que je rappelle que c'est quand même elle qui a insulté comme Jaja ma personne. Elle m'a traîné dans la merde sur son live hein, et qu'après elle a des reproches à me faire par rapport à des trucs rigolos hein, c'est que du second degré. J'ai dû en parler quelque part de ce mail, je sais pas, peut-être en live j'ai dû en parler ou peut-être sur le Discord, je ne sais plus. Parce que juste après, j'ai reçu un autre mail d'une personne qui disait que si Ginette portait plainte contre moi, voici des munitions pour me défendre. Il s'agissait de screens, de conversations et d'échanges d'images dans un groupe sur Discord, donc un groupe public, il y avait plusieurs membres qui étaient dessus, où dans la même conversation, il y avait des mineurs et des adultes, dont Ginette, et d'autres détails dont je ne peux pas vous divulguer. Je n'en dirai pas plus, mais ça m'a un peu écœurée quand même. Et si alors jusque-là, malgré ce qu'elle a dit sur moi, j'avais un peu de peine, ça a éliminé toute mon empathie envers elle. Je les remercie bien évidemment pour ces screens qui ont été ajoutés à mon dossier. Mais comme je lui ai répondu, que je ne craignais absolument pas une plainte, car je n'avais absolument rien fait. Effectivement, 2022, j'attends toujours.
Juste petite précision au niveau des dates des mails. Donc ça c'était plusieurs mois après le drama en fait que j'avais fait la vidéo Arlililil sur les Sims. Donc c'est normal qu'il ait noté début 2018 alors que ça s'est passé en 2017. Je voulais quand même préciser au cas où il y a des personnes qui se poseraient des questions. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, à défaut de vous avoir un petit peu fait rigoler, j'espère, parce que, comme je dis, moi, j'essaie toujours de faire tourner les choses au positif et au drôle que de pleurer sur une vidéo pour quelque chose qui s'est passé il y a 5 ans en arrière. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos drama sur certaines choses qui se sont passées, et bien sûr, moi, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous à vous, et ciao, ciao.